Donc aujourd'hui, une séance de HIIT. Le HIIT, c'est quoi? C'est du fractionné. Alors, on va le faire sous forme de circuit. Il y en a qui sont habitués à en faire sur les séances de cross-training. On va être sur une séance un peu plus light aujourd'hui que la semaine dernière. Mais vous allez tous avoir la possibilité de prendre des options pour que ce soit un petit peu plus dur ou un petit peu plus facile. On va tourner sur 8 exercices. 8 exercices qu'on va faire sous forme de circuit. On va démarrer un échauffement pour vraiment déjà faire ces exercices que vous les compreniez bien, parce qu'après ça va aller un petit peu plus vite. Et on va essayer de mettre un petit peu plus d'intensité dans ces exercices au fur et à mesure. Les exercices, c'est simple. Je vous les montre déjà, comme ça, vous les avez pour la suite. Le gainage. Hop, ici. Donc le gainage, on va le reprendre comme on a pu le faire l'autre jour, donc à savoir vendredi dans le jardin. Ici, avec des appuis qu'on va venir soulever derrière. Hop, on alterne. On marque un petit temps d'arrêt en haut. Bien sûr, c'est pas juste je soulève et je repose. Vous avez la possibilité de le faire sur les genoux et de venir soulever ici. D'accord? Aucun problème. On continue. Hop, le jumping jack. Ici, on ouvre et on ferme. Pareil, en termes d'intensité, si je le fais comme ça, on va pouvoir le faire pendant longtemps, on va pas trop se fatiguer. Après, si on vient descendre un peu plus bas et qu'on accélère le mouvement, bien sûr, ça va augmenter l'intensité. Toujours pareil, attention à la maison, pas de chaussettes sur le carrelage, parce que là, vous allez glisser sur cet exercice. OK? On enchaîne sur des pompes. Ici, classique. Tac, je descends, je remonte. Toujours cette option sur les genoux ou l'option de venir à quatre pattes en avançant un petit peu plus encore les genoux. Pour la suite, les burpees. Démonstration de Cédric. Je sens qu'il est au taquet aujourd'hui. Voilà. Différentes options sur les burpees. Vous pouvez venir poser, emmener les pieds un à un, les ramener un à un et venir jumper. Vous pouvez ici envoyer les deux pieds en même temps, ramener, jumper, ou alors ajouter la pompe. Hop, la pompe en bas et je saute. Les différentes options, chacun à son niveau. La suite, les squats sur les pointes de pied. Ici, talons un peu plus écartés que les hanches, légère ouverture des pointes. Je descends sur mon squat et quand je remonte, ici je monte en appui sur les pointes. Là, et je monte dans le contrôle en verrouillant la sangle abdominale et en contractant nos fessiers. Suivant, le spider. Deux options sur les mains ou sur les coudes. Si comme moi vous avez le poignet qui tire un petit peu, ici sur les coudes, ça marche aussi. J'amène mon genou vers mon coude par l'extérieur ou sur les mains, comme nous le montre Cédric, avec le genou qui vient bien le plus près possible du coude. On continuera en faisant Superman. Donc c'est un gainage lombaire. Ici, en appui sur le ventre, les mains devant, on va venir soulever. L'intensité, c'est vous qui la gérez. Plus vous montez, plus c'est difficile. Redescendez un petit peu, ce sera plus facile. D'accord? Et on finira avec les échelles de vitesse. On les a faites déjà la semaine dernière. Souvenez-vous, l'idée du carreau de carrelage. On sort, on rentre, on rentre. Tac, tac. Extérieur, extérieur, intérieur, intérieur. Et quand on l'a, alors on accélère. OK? J'espère que c'est bon pour vous, que vous avez vu l'ensemble de ces exercices. Alors, vous avez pu commencer à les faire un petit peu avec nous peut-être. Bonjour à toutes celles et ceux qu'on n'a pas encore salués parce que vous êtes arrivés à l'instant. On va démarrer la séance. On démarre donc avec un échauffement tranquillement, 30 secondes d'exercice, 30 secondes, cool. Pour les 30 secondes cool, on va simplement marcher sur place ici. Hop, je marche ici. On va faire monter progressivement la fréquence cardiaque et la température. Derrière, ce circuit, on va le reprendre 4 fois de suite. 20 secondes d'effort maximum, 20 secondes de récup. Pour la récup, vous aurez le choix. Soit vous restez sur place, vous marchez un petit peu, vous pourrez marcher ici. Ou alors, si vous avez un niveau qui est déjà plus évolué, que vous êtes déjà très régulier dans ce type d'entraînement, vous pourrez venir courir ici sur place. Alors, à vous de gérer pour avoir une intensité qui vous corresponde, obtenir du résultat, tenir jusqu'au bout, mais surtout vous mettre dans un bon état, c'est-à-dire être cramé à l'arrivée. OK? Allez, on est parti. Je relance
la musique. Mettez-vous en place déjà avec vos tapis. Et on va démarrer à mon signal. Hop, ah, c'est mieux comme ça. On vous voit en grand maintenant, c'est cool. Allez, installez-vous. On démarre dans 5 secondes. La position de gainage. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On lève le pied droit. On repose. Le pied gauche. On repose. Droit. Et gauche. Gardez ici le nombril bien absorbé. Les fessiers contractés. Pour essayer d'aligner au mieux votre corps. Quand vous levez le pied derrière, ne l'envoyez pas trop haut. Il va monter à peu près à la même hauteur que vos fesses. Ça va? On relâche. Ici, relevez-vous, décalez un petit peu le tapis et marchez. Vous avez aussi la possibilité de commencer à courir sur place, comme Cédric. Soit avec des petits pas comme ça, soit en montant un peu plus vos genoux. Alors, souvenez-vous, le prochain changement, ce sont les jumping jacks. Gardez toujours le dos bien droit, le regard vers l'avant. Vous êtes prêts? C'est parti, ici, hop! Alors, une fois qu'on l'a, comme je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir descendre un petit peu plus. Hop. Parfait, fléchissez un petit peu plus les jambes. Le dos reste droit. Et toujours le centre du corps bien verrouillé. Vous devez commencer à avoir un léger essoufflement. Marchez. Tu vois ça? Alors on est en circuit aujourd'hui, mais on a de la récup entre chaque. C'est vous qui gérez votre niveau d'entraînement, l'intensité de votre séance. Gardez le dos bien droit. Tu commences à avoir un peu chaud, Cédric, ou pas? Ça va, ça y est, il se réveille. On passe sur les pompes. En place ici. Hop. Le dos bien à plat. Je descends et je repousse. Les paumes de main bien vissées dans le sol. Le dos bien à plat. Et chacun de son option. Sur les pointes de pied. Ici. Ou sur les genoux. Pourquoi pas à quatre pattes. Vous êtes prêts? On se relève? Allez. Ce coup-ci, c'est moi qui trottine un peu et c'est Cédric qui marche. Hein? Non, mais quand tu marches, tu lèves les genoux. Attention, hein, quand on marche, c'est pas ça. Hein. Je marche ici, je mets les bras et j'amène le genou haut. De façon à amener un petit peu plus d'engagement. Monte les genoux, allez. Allez, la suite, ce sont les squats. On va les faire en montant sur les pointes de pied. Ici, squat et pouce. Engagez le centre du corps ici en haut pour être stable. Là. Toujours la poitrine fière et le dos qui reste bien à plat. On est déjà chaud, alors on peut déjà descendre les fesses au niveau des genoux. Là. Et monte. Ça va? Allez. Hop. À nouveau ici. Petit run. On marche. Engagé. Ici, là. Hein. Ça, on est d'accord. C'est trop facile. Le but du jeu, c'est d'être chaud. Et le but du jeu, c'est de pouvoir obtenir du résultat. La suite, c'est le spider. Souvenez-vous. Les coudes ou les mains au sol et le genou qui s'approche du cou. Allez, installez-vous, c'est parti. Un côté puis l'autre, bien à plat, je ramène et je recule. On est en échauffement, alors on ne cherche pas la vitesse, on cherche la qualité d'exécution. Comme sur le climber que l'on a pu faire vendredi, vous avez la possibilité ici à l'extérieur de poser votre pied pour
faciliter l'exercice. Allez, on relâche, on marche ou on court. La suite, le Superman. Alors, on va pouvoir saisir à nouveau le tapis. Et on va s'installer. Souvenez-vous, sur le ventre, on va gainer au niveau de nos lombaires. Donc pour ça, on va soulever nos pieds. Et on va soulever les bras devant. Installez-vous. Hop. Cédric, il a un côté spartiate sur les bords. C'est depuis qu'il a fait les Spartan Race, des choses comme ça. Alors, mes mots, c'est pour Cédric, c'est quand tu le fais. Là, ok. Pour l'instant, on va rester en statique. L'intensité, vous la gérez. Facile, difficile, échauffement, on se met au milieu. Gardez le sourire, serrez les fesses et gardez le nombril absorbé. Vous allez me dire, c'est pas très facile, c'est faisable. Hop, on repasse en transition. Ici. Et ensuite, le ladder, les échelles de vitesse, le carreau de carrelage. On sort, on rentre, facile. Gardez toujours le dos bien droit ici, le regard en avant, et toujours la poitrine fière, c'est-à-dire je serre mes omoplates. Ladder, c'est parti. Hop, ici. Donc, les différentes variantes sur cet exercice, pour que ce soit plus ou moins facile, j'ai les jambes plus ou moins tendues, ici, et surtout, je vais plus ou moins vite. Plus je vais accélérer, plus ma fréquence cardiaque va augmenter. Attention, n'accélérez pas si c'est pour faire le contour et faire ça, d'accord? Mieux vaut aller un peu moins vite, mais être bien dans le rythme. Relâchez. Marchez un petit peu. Hop. Tac. Et ensuite, on va reprendre tout ça. On va réduire les durées d'exercice, mais aussi les durées de récup. Et pour les durées d'exercice, on va essayer, sur ces phases-là, au fur et à mesure, d'aller de plus en plus dans l'intensité. D'accord? C'est bon, Cédric, t'as chaud? J'espère que vous, chez vous, vous avez chaud aussi. Moi, j'ai déjà bien commencé à transpirer. Alors, préparez-vous. Placez déjà le tapis, si vous en avez un, ou la serviette. Un petit réglage ici pour nous redonner les bons tempos. 20 secondes sur l'effort, 20 secondes sur la récup. Hop. Allez, c'est bon, vous êtes prêts? Installez-vous ici sur le tapis pour le gainage sur un pied. Hop, c'est parti. On lève un pied, on repose, puis l'autre. Essayez d'être le plus à plat possible, de ne pas avoir les fesses en l'air et de ne pas monter le pied plus haut que les fesses. Vous avez la possibilité aussi de le faire sur les mains, celui-là. Surtout si vous n'avez pas de tapis, ce sera plus confortable que d'avoir les coudes au sol. Ici, on pousse, soit on récupère tranquille, soit ici avec nous, un petit run. Ou toujours, une marche. C'est vous qui choisissez votre option. Vous avez besoin de plus de récup, récupérez complètement. Vous êtes bien, marchez. Vous êtes très très bien, revenez, même avec les genoux, hein. On enchaîne, jumping jack, ici, hop, et ici, on commence à mettre un petit peu plus d'intensité, en descendant un peu plus bas. Attention ici sur l'ouverture, n'ouvrez pas trop les pointes de pied. Marchez, revenez, récupérez, c'est beau comme mot, revenez, tu revenez. Allez, vous êtes prêts pour la suite? 20 secondes de pump juste devant nous. Ça arrive. 4, 3, 2, go. Hop, allez-y. Prenez l'option qui vous convient le mieux. S'il vous plaît, je préfère que vous ayez les genoux au sol, mais une bonne amplitude de travail. Ça, ça ne sert à rien. Mieux vaut être ici et avoir un bon mouvement, d'accord? Encore. Et on revient ici. Le petit run. Toujours pareil, redressez-vous. C'est plus facile pour reprendre ce type.
La suite, ce sont les burpees. Alors, le cardio va rester haut. Toujours pareil, vous choisissez l'option qui est la vôtre en fonction de votre niveau. C'est parti. Hop, et jump. Ici, un pied après l'autre, pas de pompe. Et jump. Les deux pieds en même temps. Le jump, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus, bien sûr. Quant à la vitesse, c'est vous qui gérez. En vrai, hein? Non, on les a fait. On les a fait cool. Ah ouais, si, si. Alors, ensuite, les squats finis sur les pointes. Là. On était arrêté avec moi, c'est bizarre ça. On y retourne, c'est parti. Squat sur les pointes. Verrouillez tout le centre du corps quand vous êtes ici en haut. Bien stable. N'hésitez pas comme nous à marquer un petit temps d'arrêt pour être sûr d'être équilibré. Hop, prenez. Merci, René. Allez. Allez, allez, on continue ici. Ça y est, hein, le cardio, il est plus haut. On sent l'intensité qui est là. C'est le spider qui arrive. Go. Hop. Voilà. Choisissez votre option sur les coudes ou sur les mains. Ce sera un petit peu plus facile sur les mains et ne pas avoir le genou qui frotte au sol. Vous êtes prêts? On se relève? On court. Ah, c'est mieux. Le dos bien droit toujours. Et pour la suite, on continue avec Superman. Ou Nemo. C'est vous qui choisissez. Hein? Je te laisse faire Nemo alors. Allez. Et ici en place. Soulevez. Virginie, parachute. Attention. Soyez pas ici non plus. Hein? Les jambes tendues derrière, les bras tendus devant. Gérez votre intensité, relâchez par moment s'il le faut et revenez avec vous. On se relève et à tout nouveau. C'est pas plus fort ça. Toujours restez bien redressé. Est-ce que vous êtes essoufflé? Parce que comme moi, vous transpirez à grosses gouttes. Cédric, c'est presque le cas, mais pas encore assez. Et l'heure pour terminer, ici, écartez, carte, resserre, resserre. Hop, fléchissez un petit peu plus vos jambes, accélérez le rythme. Le but est penché ici vers l'avant, de façon à bien nous stabiliser. On serre très fort le centre du corps, et on tient jusqu'au bout, 4, 3, 2, relâchez. Marchez, respirez. Une petite minute de récupération. J'ai bien dit petite. Et après, on redémarre. Ok? Alors, pour la suite, c'est la même chose. Je vais vous laisser vous-même gérer votre intensité. Vous laissez gérer la façon dont vous faites pour avoir plus d'efforts en fonction de là où vous en êtes rendu. Hop, on augmente le nombre de répétitions. Est-ce que votre souffle est revenu? N'hésitez pas à vous hydrater un petit peu. Que je dise pas de bêtises. On a 8 exercices plus un temps de récup. Ça nous fait 9 minutes à chaque fois. Il nous reste 3 fois à faire. Au fur et à mesure, c'est vrai. Allez, vous êtes prêts? On démarre dans 10 secondes à nouveau. Le gainage sur un pied. Préparez-vous. 2, 1, et go. On monte, on descend. Hop. Ici, pour un petit peu plus d'intensité, regardez, je vais pouvoir venir chercher sur l'extérieur, sans monter plus haut et sans aller chercher trop loin. Contrôlez toujours votre mouvement en gardant un centre du corps serré. On ne lance pas le pied. On se relève, on marche ou on court. À vous de choisir, ou alors rien du tout. C'est vraiment vous qui définissez selon l'intensité que vous êtes capable de supporter aujourd'hui.
ça veut pas dire que quand vous le refaites la semaine prochaine, vous allez le refaire pareil. Mais Jack, on y va. Les différentes options de la même manière que tout à l'heure. Regardez, on peut descendre un peu plus bas encore. Et si on vous le fait de profil, on est toujours bien aligné, ok? C'est pas je me penche en avant ou en arrière. On reprend le run. Ici. Alors vous avez vu, hein, un exercice sur deux, un peu plus cardio. Et on maintient la fréquence cardiaque entre les exercices. Chute, l'oreillette. C'est dur la transpiration. Les pompes. Ici. Allez. De la même manière, choisissez votre option. Gardez toujours vos épaules en avant de vos mains. Et un bel alignement du corps. La vitesse ne veut pas dire que c'est plus dur. Au contraire, c'est un petit peu plus facile. Hop, revenez. Et revenez. Alors, n'oubliez jamais que la qualité d'exécution va toujours primer sur le nombre de répétitions. De façon à travailler plus efficacement et plus en sécurité. On se protège du burpees. C'est parti. Là, et le jump. Option, un pied l'autre. La pompe, on peut la faire là. Ou alors, les deux pieds. La pompe. Et pourquoi pas ici. Juste là. Et je remonte. Sans faire le saut. D'accord? Allez, c'est reparti. La récup. C'est sympa en récup, ça. Moi, j'aime bien. Alors, vous en êtes où chez vous? On est déjà au milieu du deuxième tour. Ça veut dire qu'on est bientôt au milieu de notre entraînement. Les squats sur les pointes. Squat et monte. Ici, une belle amplitude. On descend bien. Encore. Hop. Et on monte sur les pointes, un petit temps d'arrêt là-haut. La poitrine haute. Et le dos qui reste droit. Courez. Ou marchez. Ou alors, restez juste des petits pas sur place. Gérez pour vous. On continue derrière avec le spider. Si vous avez besoin du tapis, prenez-le déjà. Et c'est parti. Hop. Là, on ramène. Et ici, soit on pose pour alléger l'intensité. Soit on continue comme ça, on peut même accélérer pour augmenter le cardio. Hop, on y retourne ici, toujours de la même manière. La suite, souvenez-vous, Superman ou Nemo. C'est vous qui voyez. Prenez pas le temps de vous prendre en rouge, hein. On n'a pas le temps. C'est parti. Ici. Alors si vous connaissez la chanson de Superman, vous pouvez la chanter en même temps. Hein. Oh, il pleut déjà. Allez, on monte un peu plus haut. Allez, avec nous. Gardez le centre du corps serré, le nombril absorbé pour protéger vos lombaires. On y retourne. Ici. Hop. Le petit run. Et juste ensuite. Pardon. Le retour du ladder. Les échelles de vitesse. Allez, go. Ici. Toujours de la même manière. Ne soyez pas droit ici. Inclinez le buste vers l'avant. Ici. Serrez fort. Et là, le haut du corps ne bouge presque plus. On dissocie totalement le haut du corps du bas du corps. Ce qui nous permet d'avoir plus d'intensité et surtout d'être bien en haut. Et on récupère. Une petite minute de récupération. Il est dans un bel état ou pas, Cédric? Ouais, vous le voyez en gros plan là. Moi j'ai très chaud. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Non, non, on a encore 40 secondes, ne vous inquiétez pas. Continuez à reprendre votre souffle et à vous hydrater un peu derrière. Allez, 30 secondes avant de redémarrer. Commencez déjà à vous remettre en condition
C'est-à-dire qu'on va déjà pouvoir réinstaller le tapis ou la serviette. 20 secondes avant de redémarrer. Regardez Cédric, il en veut tellement que sur ces 20 secondes, il commence déjà. Avant vous, avant moi, parce qu'il sait qu'il en a besoin. Il n'a pas suffisamment fait d'entraînement depuis le début du confinement, alors il en donne encore plus. Je plaisante, il s'entraîne toutes les semaines. Allez, c'est parti. Ici, et on repose. Hop. N'oubliez pas cette option d'intensité en allant chercher un petit peu plus loin. Et si jamais vous avez les lombaires qui tirent un peu, regardez, je pose les genoux et je le fais ici de la même manière avec les genoux au sol. C'est possible que ça tremble un peu et que ça tire dans les épaules. Hein. Hop, revenez ici. Le petit run. Toujours pareil. Si c'est un peu facile, alors sur ce run, montez plus vos genoux. N'accélérez pas forcément, mais montez plus les genoux. Plus d'engagement. Encore derrière. Les jumping jacks. Allez, go. Hop. Allez, je vous ai encore perdu. Regardez. Ici, un peu plus de flexion de jambes, Cédric. Le dos bien droit toujours. Parfait. Hop. Hop. Là. Toujours bien gainé. Le run. On y va. Récupérez. Laissez la fréquence cardiaque redescendre. Elle va pas descendre beaucoup. Hein. 5%. 10%. Mais derrière, c'est des pompes. Alors elle va pas trop remonter. Vous êtes prêts pour les pompes? Installez-vous. Go. Hop. Dans le contrôle. Une belle amplitude et toujours ce bel alignement. Et quand vous êtes au top sur votre mouvement, alors pourquoi pas accélérer un peu les dernières secondes. Hop, revenez. Voilà, parfait. C'est un engagement global sur les pompes. Hein. Pas seulement les pecs, les épaules et les bras. Tout le centre du corps. Et on le retrouve sur les burpees qui arrivent juste derrière. Alors, vous êtes prêts? Quelle option? Ici avec les pompes. Hop. Regardez. Ici, le bassin ne va pas descendre au sol. On reste avec un bel alignement. Et on peut fléchir les bras dès l'atterrissage. Ok? Hop. Encore. Et le run. Allez, allez. On ne lâche rien. 4 exercices sur 8 pour ce troisième tour. On a passé le milieu de la séance. Le plus dur est fait. Maintenant, c'est le mental qui joue. Vous êtes prêts? Le squat sur les pointes. Hop. Il n'a pas eu assez de burpees, il est en fait. Je l'ai vu. Hop. Alors je vous donnerai des options, bien sûr. D'autres manières dont vous pouvez réaliser cette séance pour encore plus de difficulté et d'intensité. Run. Allez, allez. On tient. Ça y est, je l'entends essouffler. Tout à l'heure, il était à la poule. Là, c'est fini. Je pense que là, il est bien. Ça y est. Le spider qui arrive. Prenez votre tapis en place. On est parti. Hop. Voilà. Toujours ce bel alignement. Les abdos qui restent engagés. Et les fessiers aussi. Pour que le corps reste droit. Ne se torde pas quand on ramène notre jambe. Hop. Ici derrière on run. Allez. La suite. Le Superman. Il arrive dans moins de 10 secondes. Préparez-vous à y aller. Installez-vous. Et c'est parti. Non, je ne retrouve pas la chanson de Superman. J'avais chanté Captain Flame, mais ça va pas aller dessus. C'est pas pareil. On monte un peu plus haut. Allez, montez. Moi aussi, c'est pas grave. Ça fait fuir les nuages et la pluie. Jusqu'au bout. Et le run. Go. Allez. Pour terminer derrière, l'échelle de vitesse. Attention,
à ne rien avoir qui pourrait vous faire glisser, ne pas mettre les pieds dessus sur les tapis ou les serviettes. L'inclinaison du buste, le verrouillage du centre du corps et les bras qui accompagnent le mouvement pour encore un peu plus d'intensité. Jusqu'au bout et relâchez. Vous pouvez secouer un peu, hein. Il reste un tour. Alors, encore 45 secondes de récup. Et le dernier tour. Pour ce dernier tour, on compte sur vous. Si jusqu'à présent, vous étiez un peu sur la réserve, vous n'osiez pas prendre les options. Alors maintenant, s'il vous plaît, prenez-les. Allez jusqu'au bout de vous-même. Dans 30 secondes, on démarre ce dernier tour. Ça doit être celui qui vous apportera le plus d'intensité. C'est lui qui va permettre que pendant 24 heures derrière, on brûle un maximum de calories. 20 secondes avant de redémarrer. Préparez-vous. Allez. Hop. On s'installe. On est aligné. Alors c'est parti. Hop. Switch. Droite. Gauche. Dans le contrôle, ne jetez pas le pied. Contrôlez le mouvement. Restez stable. Le nombril absorbé toujours. Les fessiers contractés. Et surtout vos épaules, elles ne reculent pas en arrière de vos coudes. Toujours au-dessus. Allez, venez pour le run. Hop, 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 hop. Allez, encore. Ne lâchez rien. Ici, sur ce dernier tour, s'il vous plaît. Poussez avec nous sur ce petit run. Au minimum. Et vous, mais vous n'avez pas besoin de parler en même temps. Levez les genoux. Jack. Hop. Après René, on a Jack. C'est cool ça. On va faire tout un gouvernement. Allez. Plus bas. Il est moche. Allez, run. Je ne connais pas René en boisson. Allez, allez, levez la tête. Restez fiers. Encore. Jusqu'au bout, on y va. Un maximum d'intensité. Les pompes qui arrivent. En place. Hop. Ici. Restez en contrôle. Accélérez le mouvement si vous le pouvez. Seulement si vous maintenez l'intensité et l'amplitude jusqu'au bout. Quelques secondes et on run. Allez, allez. Allez, Jérick, t'as pas à côté, tu enlèves les genoux. Plus haut. Et souffle-toi au maximum. L'objectif, à la fin de ce tour, vous n'êtes plus en capacité de parler. Prêt pour les burpees ? Allez, go. Jump. Ou sans le jump. Mais toujours un maximum d'énergie et d'intensité. Allez, jusqu'au bout. Run. Allez, allez. Les squats sur les pointes derrière. Yo, Alpha Lyon, hein. Mais comment chez-vous? Pareil pour les squats. 4, 3, 2, go. Ouh. Là. Et bah. Ça pique un peu, hein. Je crois que Cédric est au moins aussi essoufflé que moi. Alors c'est parfait. J'espère que vous, chez vous aussi. Courage. On y est presque, Spider! Oh, mais bien sûr, peu de temps pour moi, trop d'engouement sur ce dernier tour. Trop d'envie. Les RPM, c'est demain soir, hein. On va monter très haut aussi. Prêt pour le Spider? Allez, on y va. En place. Hop, hop. Là. Parfait. Sur les mains ou sur les coudes. Choisissez. Mais dans tous les cas, votre genou vient toucher votre coude. Ici, tac, tac,
minutes. Allez, on run. Les deux derniers. Il nous reste 1 minute d'effort intense. À vous de tout donner pour ce dernier sprint. 30 secondes Superman et 30 secondes en ladder. Préparez-vous pour Superman. Tapis ou serviette. Hop. Ah ouais, il se jette Superman. C'est un fou. Un peu plus haut, allez. C'est la dernière. Montez un peu les mains. Montez un peu les pieds. Gardez le nombril serré. Jusqu'au bout. Prêt pour courir? On y va. Allez. Les dernières secondes, elles sont devant nous. Dans moins d'une minute, c'est terminé. Alors, pour les dernières échelles de vitesse, vous êtes prêts? Go! Inclinez bien. Aidez-vous les bras. Allez. Encore. Jusqu'au bout. À mon signal. 3, 2, ah, stop. Relâchez, marchez. Bravo à vous. Bien joué, Cédric. Oh, c'était top. Bien joué, bravo à vous. C'était vraiment plaisir. C'était cool.